Barbel Kopfler, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, reçu en audience par le premier ministre Robert Habeck-Mbembe, une rencontre de travail. Une rencontre très importante pour la délégation allemande, car nous travaillons sur la question du changement climatique et ses répercussions, sur la situation sécuritaire, mais aussi sur les perspectives d'emploi jeunes et le renforcement du rôle de la femme sur les questions économiques. Avec le Premier ministre, nous avons surtout parlé des questions énergétiques et de notre volonté à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de développement en énergie solaire. Et en la matière, la délégation allemande inaugure le mercredi à Bundiali une centrale solaire et dans la foulée pose la première pierre de la phase 2 de ce projet. C'est la matérialisation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne. Notons qu'en 2023, les deux pays s'engageaient dans un nouveau partenariat de coopération dans le secteur du climat et du développement.